Bonjour à tous et bienvenue sur l'Ordinateur Gaming pour cette nouvelle vidéo de Satisfactory Update 8 où on va partir faire en fait ce qu'on aurait dû faire depuis très longtemps, c'est-à-dire en fait notre première raffinerie de pétrole. Et on va essayer de faire un truc très joli cette fois. Et je sais qu'il y a aussi du coal à côté, donc je vais en profiter pour refaire une centrale électrique ou charbon, puisque vous savez qu'on est un peu ric-rac au niveau électricité, et ça serait bien à mon avis de recommencer ça. Donc j'ai mis un peu à droite tout ce dont on a besoin, hein, comme vous pouvez le voir, il y a besoin de beaucoup de choses, du copper sheet, des reinforced plates, donc ça on va essayer de tout prendre, on va essayer de mettre de côté tout ce dont on n'a pas besoin. Alors, donc reinforce plate, il me demande un peu plus de reinforce plate. On est à 200. Ok, je vais en prendre. Je vais peut-être en prendre. Tiens, hop là, voilà. 150. Bon, allez, on va essayer d'arriver. Voilà, comme ça, c'est pas mal. On est à 400. Ça c'est bon. J'ai besoin de quoi d'autre? Je vais avoir besoin de copper sheet. On verra plus tard. Le câble steel beam. Steel beam c'est là. J'ai pris normalement de quoi faire. Oups, de quoi faire des towers. Parce que du coup on va continuer les towers dans cette direction. Et on va y aller comme ça, en fait, à coup de tower. Sens, ça va pas faire. Hop. Bon, en fait, on va aller comme ça. Ça sera aussi bien. C'est trop loin, c'est ça? Là c'est encore bon, là c'est encore bon, et là c'est trop loin. Et ben on va se mettre là. Ok. En fait, l'idée, ça va être de descendre. J'ai déjà pris hein, celui-là. Alors, j'ai déjà pris. Mais en même temps. Alors, attendez, hop. En même temps, je vois plein de trucs par terre. Donc, j'ai déjà pris, mais. Oui, j'ai déjà pris. Ok, on va essayer de prendre ça par contre. Ouais, je t'ai bien vu, mais. J'ai trop d'armes. Not enough space. Qu'est-ce que j'ai en. Ah mince, j'ai oublié de poser les machins. Vous savez ce qu'on va faire? On va remonter dans notre tour, on va quand même poser 2-3 trucs qui ne servent à rien dans mon inventaire là.
Alors, pourquoi je passe par là? Parce qu'au moins, je suis sûr que par là, c'est la bonne direction. Parce qu'en fait, on va là-bas. Ah oui, et j'ai l'impression qu'il respawn en fait là. Alors, ça fait quoi ça? Je pense que j'aurais peut-être dû prendre. C'est pas bien grave, hein, mais. J'ai encore du câble ici. Oh, ne bouge pas toi. Ne bouge pas. En fait, j'ai le réflexe pour changer d'arme d'appuyer sur... D'appuyer sur... Ah oui, c'est ça, on peut passer en dessous, si je ne m'abuse. Et nous, on va passer au-dessus. Je crois qu'on peut passer au-dessus. Il me semblait bien qu'on pouvait passer au-dessus. Voilà. Donc là, on va faire un truc très dangereux. Alors là, on est au-dessus du vide vide, hein. Donc là, si on tombe, c'est fini, on perd tout ce qu'on a sur nous. Et je crois qu'on peut partir après comme ça. Ouh, exactement ce que je voulais éviter, vous voyez. Ouais, ça va en fait, on peut s'en sortir, c'est pas mal. On va aller vers là-bas. Là, c'est trop loin. Ouais, ok. Et bon, on va partir comme ça. Voilà, c'est pas mal. Parce que là, en fait, on a une énorme zone d'eau. Et je crois bien qu'on a du charbon à côté. Donc c'est vraiment l'occasion. Voyeur est tout longue. Ce sera vraiment l'occasion pour nous. Je trouve que c'est un monstre qui avait spawn purée. C'est efficace hein, quand même le truc. Donc on va aller voir, on va se mettre sur le bord ici. Donc ça c'est une zone où il va y avoir de l'eau ici. Mais si vous regardez bien, normalement je crois que j'ai du charbon pas loin là, ici dans le coin. Voilà, ici. Parfait, j'ai du charbon. Et je dois aussi avoir donc du crude oil, mais beaucoup plus loin là-bas. Voilà. Donc là-bas, c'est le crude oil. Et là, c'est le charbon. Donc on va se diriger vers le charbon hein, dans un premier temps. Et puis on va voir comment on va organiser notre map. Voilà, donc je suis de retour sur cette pute. Oula. Juste faire en fait un sur cette partie de map, ça sera l'entrée en fait de ma ça sera l'entrée en fait de bah de tout. Ce que je compte faire en fait, c'est je vais laisser ça ici et ici en hauteur. Normalement je devrais pouvoir faire
C'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Allez, du coup, on va monter des murs ici. Alors, pour l'instant, en mur, je sais faire que ça. Je reviendrai le faire plus proprement après. Et là, on va monter des murs. Comme ça. Et comme ça. Alors, en fait, celle-là, je l'ai mis au mauvais endroit. Tant pis, c'est pas grave. On va la supprimer. Hop, on va supprimer ça. Et on va l'amener. Bon, et temporairement, on va l'amener là. On refera après. Donc voilà, donc ici ça va être l'arrivée du charbon. Donc l'idée, c'est d'en faire 16 comme ça, qui soient absolument pas liés ici. Donc ça va être un truc comme ça. Et on va essayer de faire en sorte que ça soit joli. Donc je vais essayer de faire... ça c'est pas mal. On va essayer de l'amener sur le bord ici. Voilà, ça c'est pas mal. On va essayer de faire en sorte que ça soit joli, donc avec un peu de décoration. Ça me dérange pas que ça dépasse du tout. Donc dans un premier temps, on va en faire 4. Pour chacune des arrivées. Alors 4 pour chacune des arrivées, hein, ça veut dire tout simplement aller plus loin ici. Clairement, ça c'est sûr. On se laisse 2 au moins ici. Deux au moins ici, ça veut dire que ça vient jusque là, donc il m'en faut encore. Voilà. Qu'est-ce que ça donne là? Là c'est pas mal. Là vous voyez, ça doit rentrer un tout petit peu. Donc, ça va être un truc comme ça, je pense. La pâte elle est juste sur le truc. La pâte elle est juste sur le truc. Du coup ça s'arrive pile au bord. Ok, donc en fait il va m'en falloir encore un peu.
J'ai plus de câble. Donc, il m'en faut encore 7. 7. 7 et 3, 10. 10 et 4, 14. Il m'en faut encore 14. Ok. Allez, on va chercher des câbles du Steelbeam, du rotor. Donc, il m'en faut encore 14. Voilà. Ça, je vais le virer parce que pour l'instant, j'en ai pas besoin. Power plateforme, j'en ai pas besoin pour l'instant non plus. Les raffineries, on ira les faire après. Et bah écoutez, là ça devrait être pas mal. Ok. Alors je disais, on en a combien là? On va en avoir 32. 32 fois 45 divisé par 120. Il me faut au moins 12 water extractor. Donc il va me falloir encore du copper sheet, du reinforced iron plate. Il va me falloir tout ça. Allez, on retourne chercher tout ça et je reviens. Voilà, après 3-4 heures de jeu, j'ai enfin fini la première moitié de notre centrale électrique charbon, la nouvelle. Et comme vous voyez, on est enfin tranquille au niveau électricité. Surtout que je peux très facilement du coup rajouter là-haut ce qu'il faut et rouvrir la deuxième tranche de la centrale. Je ne sais pas si je vais le faire. Peut-être que je vais le faire parce que ça sera sympa quand même à faire. J'ai fini ici à peu près la déco. Alors c'est pas encore coloré comme je veux. Donc là on a le charbon qui passe. Alors c'est un peu, il y a un peu de clipping, hein, mais bon c'est pas très grave. Ah, j'ai pas fini, mais je sais pas si j'aurai assez de... Hop. Voilà. Et on rentre donc par ici. Si vous regardez bien. Avec des petites arches. Ah, il me manque ça aussi, tiens. Hop. Alors lui, j'aimerais bien trouver un moyen de hooker un pilier là-dedans, histoire que ce soit quand même un peu plus joli ça. Je suis pas un grand fan de ce truc-là et... J'aimerais bien hooker en fait un pilier là-dedans, comme ça en fait ça me permettrait d'avoir quelque chose d'à peu près joli, là c'est... C'est pas très sympa en fait. En fait, toute l'alimentation se fait par ce petit câble là. Je trouve ça un peu dommage. Allez, on rentre à la maison. Donc, comme je disais, ici, on va aller en face. Le oil est là. Voilà, c'est tout ici. Donc, on va tout ramener ici. Parce que je le vaux bien. Hop. Par contre, toi, on va prendre du rebar.
ça on vire. En fait ça va probablement être le début de ma... Ah c'est encore... Oh oui je l'avais pas vu. Combien? C'est bon. Bon. Ça c'est fait. Alors je pense qu'il y en a un autre là-dedans. Alors. Qu'est-ce que ça fait là? Oh, c'est intéressant ça. En fait, il les affiche pas en tant que, qu'objet maintenant. Les afficher en tant que... C'est très étonnant. Très étonnant. Tant mieux. Alors, lui, il lui faut quoi? 4 beurre. Ah bah, alors là, on va l'avoir dans incessamment sous peu. Et j'ai pas d'espace pour l'ordinateur. On va l'avoir incessamment sous peu, le robber. Donc ça, c'est cool. Par contre, on va se mettre plus haut. Hein, pour, on va se mettre un tout petit peu plus haut. Je pense qu'on va se mettre quelque part comme ça. Comment on fait nos raffineries? Vous voyez, j'en ai prévu de 8 raffineries. Donc l'idée, hein, c'est qu'on va avoir une rentrée ici. Je pense qu'on va faire du plastique. On va faire du plastique. Parce que si je fais polymère résine... Parce qu'en fait, je sais pas quoi en foutre de, du oil residue. Pour l'instant. Hein. Tout ce que je peux faire, c'est du pétroleum coke. Et après, le transformer, le mettre dans un sink. Ouais. Ouais. Là, je pourrais rajouter encore des centrales, du coup. Je réfléchis. Ça, on pourra pas le faire. Il faudrait faire du fuel pour que ça, pour qu'on puisse faire ça. J'ai pas envie de faire du fuel ici. Je réfléchis en fait. Ouais, si on pourrait faire un petit peu de fuel, on aurait ça. Donc du coup, on fait ça avec de l'eau. Ok. On peut faire un peu de fuel. Ce sera pas le, le principal source de fuel. Je préfère faire ça en fait. 20 et 10. Et de l'autre côté. Il faut aussi du rubber. Il me faut 20 et 20. Ok. 30 crude oil. 30 crude oil pareil. Ok, donc en fait, tous les 30, je vais avoir un truc comme ça. Par contre, du heavy oil residue. Là, j'ai 20 plastiques et 10. Et là, j'ai 20 et 20. Donc, c'est le rubber qui va faire le plus d'oil residue. On va voir ce qu'on récupère en fuel. En fait, je pense que je vais les amener là. Bah, écoutez, en fait, ce serait bien. Là-bas, je sais pas ce que c'est. C'est une grosse araignée. Alors non, on va faire d'abord les oeufs et les extracteurs. Parce que j'ai pris de quoi les faire. Et là donc j'ai du 240. Du 240. Donc ça c'est très bien. J'ai deux 240 là.
Et alors, ici, j'en ai un pur, normal, normal, et un pur. Ah, purée! Donc, je pense que le impur, il va partir en... Il va servir à rien. On va prendre les deux normaux ensemble. Donc normalement, ça devrait se remplir en pétrole. Et voilà, regardez, regardez, déjà, ça se remplit là. Là, ça se remplit pas du tout. Ah si, il y en a un peu. Ça va se remplir. C'est un peu plus loin, forcément. Bah, c'est surtout qu'il n'y a pas de... Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de nivelé, mais... Voilà, on va avoir nos premiers pétroles qui arrivent. J'ai presque envie, en fait, de mettre juste un petit coup de pétrole là, histoire de vous montrer, histoire de récupérer en fait des ressources. Juste le temps de, en fait. Hein. Celui-là, j'avais dit robber, je crois. Ouais, c'est ça, robber. On va faire comme ça. Et c'est bon, on a bien du courant, donc tout va bien. Ouais, par contre, en fait, on va le prendre à l'étage. C'est plastique, hein, je crois. Ouais. Voilà. Donc, comme ça, nos raffineries vont fonctionner. C'est-à-dire marcher. Mais non, ça ne marche pas, une raffinerie. J'ai eu dans le mauvais sens. Forcément que ça marchait pas. Voilà, donc là elles sont remplies. On va
pouvoir récupérer du plastique, des choses comme ça. En fait, l'idée, c'est juste le temps hein, de faire ça. On va mettre un buffer. Alors, attendez, c'est dans logistique. Ils sont où mon buffer d'eau? Dans sa organisation. On va mettre un fluide buffer là. Juste temporairement, hein, c'est juste histoire de dire. Ah, j'en ai plus. Ok, tant pis, c'est pas grave. On va mettre un fluide buffer là. Tant pis pour vous. C'est moche, mais c'est pas grave. On va mettre, puisque j'ai plein de. On va mettre un pipeline cross ici. Voilà. On va mettre un pipeline ici. Et du coup voilà, il peut récupérer. Donc là on a 50 rubbers qu'on vient de récupérer. Et on va récupérer du plastique de la même façon. Ce qui nous permettra de débloquer un certain nombre de choses en rentrant à la maison. Ça évitera surtout qu'on se fasse. Qu'on s'embête à faire 45 milliards d'allers-retours. Alors dès que le flux de buffer ici est rempli. En fait, il suffit de faire ça. Et en fait, on peut même faire voilà, full pipe network. Et du coup, ça, c'est tout vide. Et ça va se remplir, bien entendu. J'aimerais au moins 50 de plastique et 100 de rubber pour pouvoir dégager le. Allez, 50 de plastique, c'est bon. Allez, je vous reprends juste après. Voilà, donc on rentre au bercail avec suffisamment. Je vais pas vous montrer, mais on a suffisamment de plastique. Alors ici, qu'est-ce que nous avons? Alternate Cookwire, Cox Steel Ingot. Ça, si je ne m'abuse, c'est pas mal du tout aussi. Alors, oui. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait des choses qu'on pouvait. Non, pas ça. Il n'y a pas un truc. Voilà, 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 voilà. High Speed Connector. Et Power Pulse MK2. Tiens, on va pouvoir débloquer tout ça. Je vais me chercher du quick wire. Donc déjà celui-là, ça c'est sûr. Toujours ça de gagner. Et le MK3, ben on fera après. Celui-là, celui-là va nous falloir des circuits imprimés, des quick connectors. Avant qu'on ait super computer, c'est pas gagné. Si le sulfure il le faut, je crois pas, je crois qu'on n'a pas besoin du sulfure. Par contre on peut débloquer ça.
Voilà. Et du coup, on va pouvoir chercher tout un tas de choses, en particulier le rifle, dès qu'on aura fait la poudre liquide, enfin la poudre sans. On a encore six aventures seules. Quand on aura fait enfin la poudre liquide, enfin sans fumée. Ouais, non, on va mettre la gare ici, qui repassera comme ça en fait. La gare ira dans ce sens-là, au bout, près de la rue. Alors on passera ou au-dessus ou au-dessous. Probablement au-dessus. On sera à la gare là et du coup le plastique partira comme ça directement. Un plastique rubber et les bidons d'essence et on partira là-bas. Allez, en attendant, je vais débloquer des choses. Alors je crois qu'il y a peut-être il y a encore des choses que je peux débloquer peut-être ici. Faut que je regarde le prochain truc. Ça va être quoi? Avance fuel storage, non. Alternative fuel transport, par contre, ça, oui. Ça oui, et comme vous voyez, il va falloir du plastique encore, du cuivre, ça va. Je crois qu'on a récupéré tout ce qu'on avait en plastique. Bon, ben, je vais retourner en chercher. Et puis de toute façon, j'ai terminé notre petite. Petite raffinerie. Allez, je vais terminer la raffinerie et je vous reprends juste après. Voilà, je reprends pour la fin de cette vidéo où on a enfin fini le plastique et le rubber avec cette grosse usine ici. Donc on va avoir du plastique et du rubber qui rentrent là-dedans. Donc ça doit déjà être tout plein, mais je peux rien prendre pour l'instant. Tout part en fait, il y a un petit peu de plastique qui part vers des canisters. Les canisters sont remplis avec du fuel qui vont dans les stations ici. Ah, j'arrive pas à monter. Voilà. Le fuel, il n'y a pas que du fuel hein, qui est fait. On a aussi du, vous voyez, comme vous voyez, du smokeless powder. J'essaie d'en prendre 200. On devrait y en avoir plein ici. Voilà. Faut pas. Hop. Voilà. Donc du smokeless powder. Le smokeless powder qui va nous permettre de débloquer le fusil et des choses comme ça. Je suis pas super content là de tout ça. Mais bon. On va dire que ça fonctionne. Et j'ai bien entendu un transport en tracteur. Je sais pas où il est le tracteur, on va peut-être le voir arriver. Voilà, il arrive, il est là. Un transport en tracteur qui fait le lien entre, vous savez, le Black Powder qu'on avait fait les épisodes précédents et ici pour que ça se transforme en smokeless. Donc on a un peu tout. L'usine va bientôt arrêter de fonctionner hein, puisqu'on est full en plastique et en rubber. Donc il n'y a pas de raison que ça continue. Et puis surtout, j'ai une mauvaise gestion pour l'instant des déchets. On ne le transforme pas assez, enfin on transforme en fuel, mais on ne consomme pas fuel. Donc voilà, donc je pense qu'on va faire un peu une zone pour consommer le fuel, une zone de consommation de fuel, c'est-à-dire avec des générateurs électriques, parce qu'on consomme très 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 peu de fuel ici. Donc voilà, il va falloir que je fasse ça. Je regarderai combien je génère en fuel un peu plus tard. Pour l'instant, on vérifie tout ça. Et puis, il faudrait, pour bien faire, il faudrait que je. Le problème des générateurs, c'est qu'il ne faut pas qu'ils prennent trop de fuel. Donc, il va falloir que je gère ça un peu intelligemment. Allez, je retourne sur mon. Ah, je ne vais pas l'avoir. Allez, hop, voilà. Merci. On va rentrer à la base avec ce qu'on a récupéré. Donc c'est quand même assez sympathique ce qu'on a fait ici. On a bien avancé en tout cas.
Ce qui va conclure donc cette vidéo, et puis on va... bien débloquer le rifle, ça serait cool. Voilà, super, on va pouvoir débloquer ça aussi bientôt, donc on va mettre ici et voilà. Et je vous dis, bah écoutez, maintenant on a bien avancé dans le truc, je vais lancer un hard drive, toujours lancer un drive, et je vous dis à très vite. Amusez-vous bien, et la prochaine vidéo, bah, je pense qu'on débloquera le prochain palier. Et puis on se dirigera vers bah, justement le rifle et tout ça. Et je vous dis bah, à très bientôt. Amusez-vous bien !